Autre grève, celle des salariés des deux agences de Pôle emploi, de Lyon Opéra et Lyon Presqu'île, qui ont fusionné depuis ce matin. Les employés estiment que les locaux de Lyon Presqu'île, rue de la Charité, ne sont pas suffisants pour accueillir le flux de chômeurs en cette période de crise. Mauvaise organisation également pour les patrons qui viendront déposer leurs annonces. Écoutez ce que décrit l'un des salariés du Pôle emploi au micro de Morgane Rousse et Marion Berchet. On est dans l'incapacité à l'heure d'aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on doit répondre aux demandeurs d'emploi et qu'est-ce qu'on doit répondre aux entreprises. Je vais vous prendre un exemple. Dans cette agence, cette agence est fermée. Elle ne peut plus recevoir de demandeurs d'emploi, mais on doit pouvoir recevoir les entreprises. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien de prévu pour qu'un employeur puisse être reçu. Il n'y a rien de prévu pour qu'un employeur puisse rentrer même dans l'agence. La seule réponse qu'on a eue pour un employeur, il se présente ici, il doit déposer une offre d'emploi. Il doit aller sur le site Presqu'île, demander le numéro de téléphone du site Presqu'île, appeler pour qu'on lui fixe un rendez-vous. Il n'y a même pas d'interphone. Et je pense que ça serait intéressant, il rentre derrière, genre, c'est derrière les poubelles.